Sur la base de cet accord, HIG pourrait recruter progressivement 50 à 60 personnes dans un premier temps, d'abord pour produire les 2 millions d'euros de production sur lesquels Molex a donné son accord et chercher par la même occasion de nouveaux contrats. Le volume de chiffre d'affaires qu'ils prennent, les 2 millions, ça représente à peu près 15 personnes. Mais on n'est même pas sûr, ils n'ont pas encore, c'est en train de se finaliser. On ne sort avec aucune garantie qu'il y en ait 15, et ensuite c'est pour 50 ou 60, dans un horizon, on ne sait pas lequel. On peut préparer l'avenir, mais partir sur 15 salariés, quelle entreprise est-ce que PSA aujourd'hui va nous donner du travail, va nous confier du travail pour une entreprise de 15 à 20 salariés? Non, la réponse elle est non, c'est pas possible.